Yo tout le monde, c'est San, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play, il s'agit de celui de Uncharted Drake's Fortune sur PlayStation 4. Donc c'est encore une fois un reboot, puisqu'il y a très longtemps sur la chaîne, en 2014 j'avais commencé un let's play de Uncharted Drake's Fortune, à l'époque sur PlayStation 3, puisque la version PS4 n'était pas encore sortie, depuis j'ai eu la PS4, depuis d'ailleurs avec le bundle Uncharted Collection, avec le 1, le 2, le 3, encore une fois le 4 n'était pas sorti à l'époque, hein, j'ai commencé il y a si longtemps que ça les vidéos. Et donc on va commencer une nouvelle aventure, on va faire une nouvelle partie, et garder les bonus trésors de la partie sauvegardée, non, puisqu'on va faire une espèce de 100%, on va récupérer tous les secrets de ce jeu. On fait une campagne, on va se mettre en mode normal, puisqu'on ne, voilà, on n'a pas envie de se casser la tête non plus. Et donc du coup je vais vous laisser la cinématique de début de jeu, on va faire des nouvelles données de jeu évidemment. Et puis, je vais vous laisser du coup la cinématique de début de niveau. Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? J'ai fait des recherches, et apparemment Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi! Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, t'as eu ton scoop, chérie! Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard? Sully, on a des ennuis, magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Et donc on est parti pour un nouveau, une toute nouvelle aventure. Juste vérifier quelque chose au niveau de l'audio, notamment des volumes. Je voudrais baisser un petit peu le volume des dialogues et puis un petit peu celui de la musique, puisqu'en fait je sors dans mes écouteurs là actuellement, donc c'est un petit peu fort. Et bon, on est parti tout simplement. Donc premier niveau embuscade. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait ? Avec un certain nombre de d'ennemis. Donc pour le moment ça reste des pirates. Rien de bien compliqué si ce n'est comment dire la réaction d'Elena, hein, donc la journaliste qui est avec nous là, qui ça n'a pas l'air trop de la déranger de prendre un flingue pour tirer sur des gens qu'elle ne connaît pas, tu vois. Enfin bon. Donc on attend Sully qui est notre ange gardien, hein, qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans le niveau. Pour le moment ce premier niveau c'est simplement
simplement de la du gunfight avec des pirates donc qui pour le moment se baladaient autour du bateau et qui vont pas tarder normalement à monter à bord du bateau. Voilà. Et donc du coup on nous fait un petit didacticiel sur comment bien se combattre dans ce jeu, donc notamment avec des phases de corps à corps qui sont pas extrêmement compliquées, on a juste à marteler un bouton carré pour les enchaîner. On n'a pas vraiment, je crois, dans ce jeu de système d'esquive, ça arrivera un peu plus tard à partir du 2. Donc voilà, un petit niveau pas très très compliqué, hein, ils nous mettent pas extrêmement de dégâts, c'est vraiment assez simple pour le moment. Voilà, on peut faire des petits combos en alternant avec... Oh, il est de l'autre côté en fait. En alternant voilà, carré, triangle et carré. Par contre, je vais pas beaucoup aimer si... s'y mettre aussi cher que ça, on va essayer de recover un petit peu. On a évidemment hein, une visée qu'on peut changer de sens comme ça en appuyant sur le joystick gauche. Ce jeu en fait ça prend des nouveaux codes on va dire, hein, comparé à tout ce qui est Tomb Raider de l'époque, puisqu'on joue à la troisième personne mais on a un système de visée vraiment comment dire, un peu plus manuel que les Tomb Raider de l'époque. Là on est en 2008, à la enfin 2007 pardon je crois, à la sortie du jeu sur PlayStation 3. Sûrement comparable avec Tomb Raider Nier Série qui est sorti à la même époque. Non, je voudrais pas trop taper Elena, s'il vous plaît, ce serait plutôt les pirates que moi je voudrais défoncer. Pas très compliqué honnêtement, on a juste à bien les marteler. Et un petit peu de mal à savoir d'où est-ce qu'ils viennent par contre. Ça nous tire dessus, mais... Ah, ça vient de derrière. Ah non, d'accord, c'est lui qui a... Aïe, aïe, ouh, ça fait mal ça. Ça fait mal, s'il vous plaît, merci. On a un gars avec une mitrailleuse là. Ah non, sérieux! Pas cool ça. Ok. On va reprendre, je sais pas d'où est-ce qu'on reprend. Ah ok, on reprend au niveau du mec avec sa mitrailleuse. On va faire gaffe du coup parce que il fait un petit peu tout péter le garçon. Et puis on peut pas le tuer, donc on va simplement attendre l'arrivée de Sully. On va continuer à se planquer derrière les objets hein, qu'il y a sur cette espèce de bateau. Et puis on n'a pas plus d'informations hein, pour le moment sur ce qui se passe exactement. Alors que voilà Sully, j'essaie un petit peu de vous montrer l'avion, voilà, le petit hydravion de Sully. Ah toi c'est sûr que ta caution elle est morte, hein, ma cocotte. Est-ce qu'on peut le tuer ou pas lui quand même? Je suis en train... Non c'est bon, ok c'est Sully qui va s'en occuper, voilà parfait. Donc du coup, le niveau est terminé, je vais vous laisser donc la cinématique de fin de niveau. Merci à vous d'avoir regardé. Faut qu'on plonge. Ouais. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Allez. C'est bon. Viens. Ok! Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Ah, oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça.
Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Hein? Eh bien, malheureusement, non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Non, la caméra, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la cité d'or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés. Évidemment, j'aurais dû m'en douter.